Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Madame la représentante du Césaire, mes chers collègues. Les chiffres sont à l'exécutif ce que les lampadaires sont aux ivrognes. Ils fournissent bien plus un appui qu'un éclairage. Le budget 2018 que vous nous soumettez aujourd'hui est un budget où l'art de la communication règne en maître. Pour illustrer cela, je commencerai par la symbolique baisse des dépenses de fonctionnement. J'utilise l'adjectif symbolique à dessein car il faut un certain talent pour arriver à mettre au cœur des débats une baisse aussi ridicule eu égard au budget de notre collectivité. Il faut dire que là encore, vous avez fort bien communiqué et avez à merveille agité le chiffon rouge devant la gauche de notre hémicycle qui, fidèle à ses schémas archaïques, s'empressait de tomber dans le panneau. Il devenait ainsi vos idiots utiles et donnait de l'écho à vos soi-disant réductions de dépenses à grands coups de pitoyables mascarades comme nous l'avons encore vu dans cet hémicycle lors de la dernière plénière. Cela est d'autant plus dommage que le sujet est d'importance. Ce n'est pas avec une baisse des crédits de paiement en fonctionnement de 1,2% que notre région peut se vanter d'une baisse significative. En effet, l'exécutif baisse cette ligne budgétaire en fonctionnement à 114,7 millions contre 116,2 en 2017. Et dans cette diminution, on note une baisse de la rémunération et des charges de personnel pour l'année 2018. Le Front National ne peut qu'inlassablement répéter que s'il a toujours été un fervent défenseur de la maîtrise de la dépense publique et d'une gestion rigoureuse de l'argent de nos compatriotes, il n'acceptera jamais que cette rigueur pèse exclusivement sur les plus faibles. Il est donc regrettable que l'exécutif se gargarise de faire des économies en fonctionnement sur le dos, entre autres, des agents de la région. Si votre volonté est de faire des économies dans l'intérêt des Franciliens, posez-vous les bonnes questions. Qu'en est-il du train de vie des élus en général et de l'exécutif en particulier ? Plutôt que de faire des économies sur les plus faibles, pourquoi ne pas concentrer vos efforts sur la baisse du train de vie de l'exécutif, sur la fin des aides et subventions clientélistes aux associations les plus folles et les plus exotiques, ou encore sur la suppression des innombrables observatoires, comités théodules et autres indécents voyages de récupération mémorielle. La majorité se targue de réaliser 700 millions d'euros d'économies sur les dépenses de fonctionnement d'ici à fin 2018. Il est écrit dans le projet de budget pour 2018 que ces 700 millions d'euros permettront de financer les nouveaux investissements, tout particulièrement en matière de transition environnementale, de développement des compétences et des entreprises ou de lutte contre les fractures, tout en remboursant les dettes de la région et en évitant d'accroître la pression fiscale sur les Franciliens. Il est impossible de réaliser tout cela en même temps. À n'en pas douter, ce budget, c'est le mariage de la communication et de la rhétorique, car les investissements ne se traduisent pas en grande majorité dans les crédits de paiement. Il est vrai que les investissements augmentent en autorisations de programme, mais les crédits de paiement, eux, restent au même niveau que l'année dernière. Les autorisations de programme, vous le savez bien, ne constituent que la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. En d'autres termes, les investissements peuvent rester en sommeil, voire être annulés. C'est exactement ce que vous reprochiez à l'ancienne majorité. C'est ensuite un budget basé sur des effets de rhétorique car dans ce qu'on appelle dépenses de fonctionnement, il y a en réalité de l'investissement indirect qui passe par tous les projets de structure bénéficiaires de subventions. La SAB dans ces budgets dits de fonctionnement, conjuguée à l'accroissement des inégalités territoriales et à la crise économique et sociale, va fortement contribuer à accélérer les difficultés financières d'un grand nombre d'acteurs de l'économie francilienne. L'exécutif se comporte en petit comptable, sans vision ni stratégie long terme. Tout ne se résume pas aux chiffres. Il y a également l'humain. Quand vous décidez des coupes dans le budget pour les entreprises, et je pense tout spécifiquement à nos TPE et PME franciliennes, cela impacte et les salariés et la vitalité de notre économie régionale. Vous avez décidé de faire porter quasiment au seul secteur développement économique la perte de recettes de 55 millions d'euros suite au désengagement de l'État et à la disparition du fonds Valls. Il est tout à fait irresponsable de faire passer le soutien à la création et au développement des entreprises de 38 millions à 5,5 millions d'euros. Ces crédits sont indispensables à la création d'emplois et donc vecteurs de croissance pour notre région. Notre groupe aurait ventilé la perte de ces 55 millions sur l'ensemble des secteurs, ce qui aurait permis aux entreprises subventionnées de garder leur dynamisme. Permettez-moi d'évoquer maintenant les annexes budgétaires et de commencer par les transports. Comme nous l'avions dit lors du débat d'orientation budgétaire, force est de constater que les investissements se sont accrus au cours de l'année 2017 et qu'ils ont été portés sur des projets conséquents à travers une meilleure offre de transport, l'amélioration du matériel roulant, le plan fret ou encore le plan anti-bouchon tant attendu.
Néanmoins, nous estimons que l'exécutif en fait trop sur le vélo, avec une part budgétaire conséquente. Elle nous paraît excessive au regard des attentes pratiques des usagers franciliens au quotidien, qui peinent à voir, malgré le montant de tous ces investissements, le résultat concret de votre révolution transport que vous appeliez de vos voeux. Le plan vélo a d'ailleurs servi d'alibi pour justifier la hausse de l'offre tarifaire générale. Le prix des tickets et du pass Navigo ont encore augmenté cette année. Le budget transport semble s'en sortir, mais il cache les comptes inquiétants d'Île-de-France Mobilité, l'ex-STIF, dont la dette explose. Elle atteindrait les 10 milliards d'euros d'ici 2026 en raison du projet démesuré du Grand Paris Express qui en plombe les finances, ce que le Front National dénonce depuis plusieurs années déjà. Nous nous alarmons du futur du réseau des transports franciliens, tant les perspectives élaborées sont en pointillés. En matière de formation professionnelle, nous regrettons que l'exécutif ait partiellement délaissé ce secteur, pourtant une des compétences les plus importantes de la région. En effet, on note une baisse importante des dépenses de fonctionnement, moins 53 millions en AP et moins 92 millions en CP. L'apprentissage, votre priorité, Madame la Présidente, pendant la campagne, en fait les frais. Je vais directement à la dernière page de mon intervention, puisque mon temps de parole a l'air compté. Je vous dirai pour finir qu'il faudrait cependant aller encore beaucoup plus loin sur la précarité dans le monde de la recherche, sur la promotion de l'esprit de défense, sur la sécurité dans les quartiers livrés aux caïds et aux dealers, sur les transports engagés, sur la liberté des automobilistes, sur la limitation de l'urbanisation et le recul de la biodiversité, sur le communautarisme et le clientélisme installés par la gauche durant 17 ans. Oui, que de chemin à parcourir pour mettre une vraie droite à ce système défaillant depuis tant d'années. Pour y parvenir, la majorité ne doit pas céder si souvent aux sirènes d'une gauche en déshérence, qui est surreprésentée aujourd'hui dans cet hémicycle, comme chacun le sait. On a vu le résultat à l'élection présidentielle, 6%. Chers amis républicains, ne tombez pas, à l'instar de votre président, dans la frilosité, votre président de groupe, M. Nasrou, qui a eu peur d'évoquer ici le sujet si crucial du soutien aux forces armées. Et enfin, la force des convictions que vous affichez, chers amis des Républicains. Merci.